Nova Construction, on est une entreprise de gros œuvres qui travaille sur l'Escar avec une antenne à Bordeaux, Toulouse et Biarritz. Au fil des années, on a cherché des solutions et d'avoir les tâches de tout le monde qui soient optimisées et des résultats plus cohérents. Depuis le début, on travaillait sur Onaya études de prix et qu'on n'arrivait pas à exploiter derrière où on avait des tableaux Excel qui nous demandaient des doubles saisies. On a voulu prendre cette base et la consolider sur les autres différentes phases du chantier sans repartir à zéro sur notre logiciel. Et Onaya nous permet de tout centraliser. On a toujours eu un accompagnement assez poussé d'Onaya, donc pour toutes les différentes phases, avec un SAV assez compétent qui nous recontacte assez rapidement. Du coup, ils nous ont accompagnés donc progressivement dans les phases de suivi de chantier, facturation, avec des formations assez souvent. Chez Nova Construction, Onaya est partout, donc ça passe du pointage du chef de chantier qui envoie directement ses pointages au conducteur de travaux qui les valide et qui part en paye. On s'en sert ensuite dans nos tableaux de résultats pour analyser, où là on compare en fait les dépenses réelles qui sont rentrées en analytique au budget prévu par nos études de prix. La solution d'Onaya nous propose d'avoir un tableau de résultats avec nos budgets, ce qu'on dépense au réel et nos marges et la gestion globale de l'entreprise. Sur toutes les étapes de validation, nous gagnons du temps grâce à Onaya. Donc, que ce soit au pointage, aux factures, sur toutes les étapes, ça doit bien faire gagner une demi-journée à tout le monde ou une journée dans la semaine. Et après, ça fait gagner du temps aussi pour analyser les résultats et avoir une meilleure vision de nos chantiers et de la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, je recommanderais Onaya car c'est une solution qui nous accompagne depuis le devis au suivi, à la facturation. C'est une solution complète qui nous permet d'avoir une bonne gestion de nos chantiers et de l'entreprise.